Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, des écouteurs avec réduction de bruit active que j'ai trouvé chez les magasins Action et que j'ai acheté au prix de 19,95€. 20€ pour des écouteurs, c'est pas très cher. Et on va voir ce que ça donne ensemble. Mais avant de te parler de ces écouteurs, eh bien je vais t'inviter à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. C'est important, j'ai regardé mes statistiques. Sur un an, vous êtes 97% à regarder mes vidéos sans être abonné. Abonnez-vous, ça vous coûte rien. Ça vous prend 2 secondes, et moi ça m'aide beaucoup. Alors comme je vous l'ai dit, ces écouteurs, eh bien on les retrouve dans ce blister, un petit peu à l'ancienne j'ai envie de dire, dans les rayons d'Action. On voit que c'est de la marque Fresh & Rebel. Il nous indique bien qu'on a une suppression active du bruit, on verra ce que ça donne. Il nous annonce 5 heures d'autonomie par écouteur, 25 heures au total avec le boîtier. On est sur du Bluetooth 5.3, il nous annonce qu'il faut 2 heures pour charger le boîtier et 1h30 par écouteur. Voilà, j'ai pas plus de caractéristiques que ça, on va tout de suite déballer et puis les tester. Alors dans l'emballage, on retrouve un manuel d'utilisation avec une traduction en français, évidemment nos écouteurs dans leur boîtier de rechargement, on y revient tout de suite après, un petit câble USB-A vers USB type C, et chose plutôt cool, on l'a pas toujours dans les écouteurs à pas cher, on a les embouts de différentes tailles pour adapter vos écouteurs à vos oreilles. Alors revenons à nos écouteurs, donc le boîtier est plutôt sympa, on a le logo de la marque devant qui est un petit crabe je pense. Concernant les écouteurs, et ben ma foi, on a un design assez classique, j'ai envie de dire un peu à la AirPod. On retrouve sur les écouteurs des micros, on a un petit bouton, du coup je pense qu'on n'est pas sur des écouteurs tactiles. On a un bouton sur chaque écouteur, et voilà, rien de plus à dire au niveau design. Alors voilà, j'ai installé les écouteurs, alors pour info, il n'y a pas d'application. On est sur des écouteurs qui sont plutôt fermés, hein. Et en fait l'activation de la réduction du bruit, elle va se faire via les boutons. Donc pour l'activer, il faut appuyer sur les 2 boutons. Alors effectivement ça marche plutôt bien. Si on reclique une nouvelle fois sur les 2 boutons, on passe en son d'ambiance, donc on entend un peu plus ce qui se passe dehors. Effectivement quand on est en ANC, eh ben ça marche plutôt bien. Et enfin si on reclique une nouvelle fois sur les 2 boutons en même temps, eh bien on désactive la réduction de bruit active. Alors pour info, les boutons ont plusieurs fonctionnalités. Quand vous écoutez de la musique, si vous appuyez 2 fois sur le bouton de l'écouteur droit, eh ben c'est play ou pause. Si vous appuyez 3 fois sur l'écouteur droit toujours, eh ben c'est la piste suivante. Et enfin, si vous appuyez 3 fois sur l'écouteur gauche, c'est la piste précédente. Pour décrocher un appel, eh bien vous cliquez 2 fois, que ce soit sur le droit ou sur le gauche. Pour raccrocher, pareil, vous cliquez 2 fois, droit ou gauche, peu importe. Et pour refuser un appel, eh bien vous cliquez 3 fois, que ce soit à gauche ou à droite. Et si vous voulez activer votre assistant vocal, il faudra cliquer 2 fois sur l'écouteur de gauche. Few moments later. Alors je viens d'écouter un peu de musique avec ces écouteurs et franchement, honnêtement, eh ben je suis vraiment surpris. Et dans le bon sens du terme en plus. Je m'attendais pas avec des écouteurs à 20€ à avoir une qualité audio comme celle-là. Franchement, les basses sont au rendez-vous, les aigus sont là, on a une qualité de son qui vaut largement des écouteurs bien plus cher. Évidemment, ça vaudra pas la qualité de Sony par exemple à 300€, mais ça vaut bien la qualité d'écouteurs à 80-100€ sans aucun problème. Franchement, dans les écouteurs à pas cher, dans ce budget-là, 20€, je crois pas avoir testé aussi bien à ce prix-là. Donc bah, vous l'aurez compris, c'est des écouteurs que je peux vous conseiller. Il y a bien sûr pas que du positif, j'aurais aimé qu'il y ait du tactile. Les boutons, bon, c'est un petit peu dépassé, mais ce qui compte surtout dans des écouteurs, eh ben, c'est la qualité sonore, et pour le coup, elle est au rendez-vous. Pour les appels, hein, c'est pareil, ça fonctionne très bien. La réduction de bruit, elle a le mérite d'être là, elle fonctionne, c'est pas la meilleure du marché, mais sur des écouteurs à 20 balles, eh ben, franchement, il n'y a rien à redire. Et honnêtement, eh ben, si vous voyez ces écouteurs dans les rayons de chez Action, allez-y, franchement, pour le prix, vous serez pas déçus. Donc, ben voilà pour cette vidéo sur ces écouteurs Fresh & Rebel avec réduction de bruit actif que j'ai trouvé au magasin Action. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. D'ailleurs, si vous aimez les vidéos de produits Action, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous aimez. S'il y a des produits
produits que vous voulez voir en vidéo de chez Action ou d'autres magasins d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de me débrouiller pour les faire en vidéo. Partagez cette vidéo un maximum si elle vous a plu et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas sur cette chaîne, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Donc nous, on se retrouve dans un prochain test. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.